messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le fil des rencontres qui nous mène aujourd'hui à parler de féminisme et de droits de la femme, de la position de la femme dans la société orientale, mais pas seulement. La question se pose également sur les droits de la femme dans les plus vieilles démocraties du monde, la situation de la femme en France et particulièrement la femme musulmane. On va parler du rôle de la femme dans la politique au Moyen-Orient, mais également ici en Orient. Je reçois aujourd'hui trois représentantes du collectif féministe pour l'égalité, un collectif dont on va découvrir les raisons de sa création, les objectifs et puis les actions qu'il a menées et qu'il compte mener. Mesdames, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je Bonjour. commence par présenter la présidente de ce collectif, Madame Esmahen Chouder, qui est formatrice dans la vie dans un institut privé de journalisme, militante féministe, ne voilant pas son appartenance religieuse et communautaire en portant le voile bien apparent. Nous recevons également une éminence grise, Madame Sonia Dayan Herzbrun, membre du collectif féministe pour l'égalité, sociologue, professeure à l'université Paris Diderot. Elle a publié plusieurs livres et plusieurs dizaines d'articles. Elle est directrice de la revue Tumulte, conduit des recherches sur les femmes et la politique au Moyen-Orient. Elle est également présidente de l'association Islam et laïcité. On en parlera s'il n'y a pas une opposition entre ces deux concepts, mais également vice-présidente de l'ORDIP. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit également. Et puis, Madame Louisa Abelhamsi, que je remercie puisque c'est grâce à elle que cette émission a vu le jour aujourd'hui. J'ai eu à la rencontrer pour qu'on parle de ce collectif à la fin de l'année. Le dernier jour, le 31 décembre, je suis ravi et je la remercie du fond du cœur. Elle est professeure de lettres, militante féministe et antiraciste et membre fondatrice de ce collectif que nous recevons aujourd'hui. Madame Esmahen Chouder, alors, quelles ont été les raisons ou qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif et pour quels objectifs? Mais après votre réponse, je voudrais poser une question à vous trois. Vous répondrez. Pourquoi le besoin de créer un mouvement féministe pour l'égalité? Quel type d'égalité? Parce que déjà, dans la définition même du féminisme et du combat féministe, c'est l'égalité entre femmes et hommes. Mais vous, je pense que l'égalité que vous visez est pas seulement entre femmes et hommes, mais déjà entre femmes elles-mêmes en fonction d'origine ou de croyances religieuses. Je vous en prie. Absolument. Bonjour. Donc, merci pour cette invitation d'abord. Donc, alors, le collectif Féministes pour l'égalité. Donc, il est né dans le contexte de préparation de la loi du 15 mars 2004, que nous nommons dite sur les signes religieux, parce que d'emblée, elle s'est imposée en tout cas cette loi comme une loi visant expressément et particulièrement un signe, en l'occurrence le foulard. Et donc, c'est un groupe de femmes qui se sont retrouvés dans ce contexte-là, parce que dès le départ, dans les débats donc qui ont présidé à cette élaboration autour de la commission Stasi, de cette loi qui allait arriver, donc il y a deux principes ou en tout cas deux concepts qui ont traversé les débats. D'une part, l'égalité homme-femme, et d'autre part, laïcité. Et ça s'inscrit vraiment dans une espèce de continuum qui, à partir de ce moment-là, va cristalliser une espèce de mythologie qui vont faire et de la laïcité et du féminisme des notions qui s'articulent de manière consubstantielle et qui vont devenir très vite à l'endroit d'une certaine population, en l'occurrence les musulmans de ce pays, et d'une certaine religion, en l'occurrence l'islam, vont être mobilisés à tout va, justement pour étayer, pour justifier, pour ancrer le fait qu'il faille légiférer sur cette question, au prétexte que l'islam serait le symbole d'oppression suprême faite à la femme, et que la laïcité serait à décliner vis-à-vis de cette population particulière. D'ailleurs, vous êtes l'exemple parfait du fait que si vous portez le foulard aujourd'hui, c'est que quelque part, soit votre mari, soit votre frère ou votre père vous a obligé et que vous n'avez pas le choix. Alors moi, je décon... Alors tant qu'à faire les trois même, et puis même au-delà. Mais alors moi, je déconstruis très vite en fait cette espèce de construction complètement arbitraire et aléatoire et mythique. C'est que finalement, j'ai porté le foulard dans une famille où mes sœurs et ma mère ne portent pas le foulard. Et avant même d'être mariée, d'avoir des enfants, et voilà, je suis le produit
d'une famille où tout s'est construit par rapport à la liberté de choix, de cheminement. Et donc voilà. Alors, on l'a bien compris, l'origine de ce collectif, c'était cette loi sur le port du foulard, mais en fait, qu'on appelle sur les signes extérieurs de la religion. Et je me souviens des débats qui étaient menés à cette époque, maintenant il y a 10 ans, ça va très vite. Et tout le monde avait le sentiment qu'en fait, si on parlait des autres confessions, c'est tout simplement pour maquiller ou couvrir l'intention réelle, à savoir stigmatiser les musulmans et les musulmanes dans ce pays. C'est un long débat. La société française a été sporadiquement secouée et continue à l'être par ce débat sur le foulard. On a même le sentiment que quand il n'y a plus d'objet de polémique dans le pays, les médias le ressortent des vieux placards, ou les politiques à chaque campagne électorale. Donc le sujet est plus que réchauffé, mais qui crée un malaise réel. Et là, je voudrais m'adresser à Madame Sonia Dayan. Pour savoir, est-ce que ce n'est pas justement une atteinte à la liberté du choix, une atteinte à un droit fondamental des femmes, que de leur laisser le choix de décider si elles portent le foulard ou elles ne le portent pas? Et puis, est-ce que ce n'est pas également une sorte d'extrémisme de la laïcité ou d'intégrisme, j'ose même utiliser ce terme, quand on veut décider à la place des femmes et parler en leur nom, en leur interdisant de prendre position et de dire non, c'est un choix, c'est moi qui ai choisi de le porter. Comment vous interprétez cette pratiquement contradiction flagrante entre des féministes qui sont là censées défendre les droits de la femme et d'un autre côté s'opposer et s'élever contre la liberté de choisir de porter le voile? Oui, ben là vous avez tout à fait raison, vous avez dit beaucoup de choses et répondu à la question en la posant. Je ne parlerai pas d'extrémisme, je parlerai comme le fait Jean Bobéro, de laïcité falsifiée ou de laïcité dévoyée, hein, parce que la laïcité, ce n'est en aucun cas l'interdiction de manifester ses convictions religieuses, y compris en public, parce que si on ne les manifeste pas en public, où les manifestera-t-on? Donc ça, c'est certain, et là, il y a eu quelque chose, il y a eu un glissement sur lequel on peut s'interroger, il y a des analyses qui n'en finissent plus, on peut s'interroger là-dessus, mais c'est évident, hein. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons à la Commission Islam et Laïcité, nous nous efforçons de montrer que la laïcité dont on nous parle aujourd'hui n'est pas véritablement la laïcité des fondateurs et qu'il s'agit de revenir à ce qu'est véritablement la laïcité, c'est-à-dire le respect des croyances des uns, des unes et des autres. Alors il y a ce premier point, s'agissant des femmes, bien entendu, ce que nous avons tout en commun, parmi beaucoup d'autres choses, et l'amitié aussi qui nous permet de travailler avec tellement de plaisir ensemble, c'est la conviction que nous ne cessons d'affirmer. Nous avions lancé une pétition au printemps dernier que les femmes doivent avoir le choix du vêtement qu'elles veulent porter. Hein. Alors, nous sommes bien sûr contre l'imposition du voile dans certains pays et contre l'interdiction dans un autre, hein, que nous puissions pour nous aider. France. Pour la France en particulier. Donc ça c'est évident. Maintenant, alors, le féminisme, qu'en est-il du féminisme? Le féminisme ne se balade pas comme ça tout seul, ce n'est pas une formation pure, hein. En particulier en France, mais aussi dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, un certain nombre de féministes restent pénétrés des idées, disons, coloniales, ou pour ce qui est des États-Unis, des idées de la ségrégation raciale. Il y a tout un courant de féministes noires aux États-Unis qui ont mis en évidence, hein, le fait que les féministes blanches ne pensaient pas ce que c'était qu'être à la fois femmes et noires, est-ce que ça signifiait, en particulier pour les femmes noires, d'être solidaires de leur propre communauté d'origine. Et de la même façon, en France, on a tout ce qui est resté de la colonisation qui s'est faite au nom d'une prétendue laïcité, au nom d'une prétendue défense des femmes, mais en fait pour diviser les femmes des pays colonisés de leurs hommes et contre leur religion, ce qui était leur conviction, leur histoire, la culture dans laquelle elles étaient formées, leur univers symbolique, c'est-à-dire l'islam. Donc ça c'est quelque chose qui reste, qui est un impensé. Il y a un impensé colonial en France, et je crois que
que nous faisons aussi, c'est le débusquer, même le débusquer, oui, parmi un certain nombre. Justement, vous allez vous me tendez la perche pour que je pose la question à Louisa Bellamici. Dans votre action quotidienne, dans le cadre de ce collectif pour l'égalité, un collectif féministe, est-ce que vous avez le sentiment que ces courants qui viennent d'être nommés par Madame Sonia Dayan vous acceptent, vous refusent ou vous regardent avec appréhension? Comment se passe l'action féministe avec ces anciens courants, j'allais dire du féminisme originel? Alors, nous sommes totalement rejetés. De ce point de vue-là, le collectif des féministes pour l'égalité, du moment même où il s'est créé, en 2004 donc, a été effectivement ostracisé, rejeté. Aucun pont, aucun lien. Enfin, nous avons souhaité à différents moments, à différentes reprises, à différentes occasions, nous avons tenté des rapprochements, des dialogues. Notamment l'année dernière, nous avons organisé une rencontre internationale au mois de novembre, très largement ouverte, rencontre internationale à laquelle nous espérions pouvoir rencontrer, débattre ces féministes dont Sonia a dressé et a posé d'où elle parlait, notamment par rapport à la question coloniale et post-coloniale. Donc oui, le collectif des féministes pour l'égalité est de ce point de vue-là un collectif tout à fait singulier dans le paysage des luttes féministes en France. Mais cette mise en quarantaine, elle est simplement due au fait que vous réclamez la liberté du choix pour chaque femme de décider pour elle-même sa tenue vestimentaire. Donc, en fait, vous prenez position contre la liberté de conscience et de culte, ou bien il y a d'autres raisons plus profondes? Alors, raison plus profonde, là encore, je ferai le lien avec la question coloniale, notamment, puisque le voile, alors, depuis toujours, enfin, je rappellerai la cérémonie du 13 mai sur le dévoilement des femmes par Alger, donc le 13 mai 1958. Où les femmes, les femmes de généraux, Madame Salan en premier lieu, hein, c'est ça, a organisé, mis en scène une cérémonie du dévoilement. Donc je pense que ce rejet profond serait d'ailleurs à quasiment mettre sous forme de, enfin, à accompagner sous forme d'analyse presque psychanalytique, puisque sur cette question du voile, c'est rupture totale dans l'appel que nous avons lancé en avril l'année dernière. Nous sommes toutes des femmes voilées, donc un appel qui est encore d'ailleurs sur change.org, on peut encore le signer. Donc nous sommes toutes des femmes voilées. Ça a été une difficulté vraiment très violente, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une violence de rejet de la part des femmes, des féministes, mais des femmes d'une façon plus générale que nous avons sollicitées, des universitaires ou non, enfin Est-ce que cette combativité des féministes à l'égard des femmes qui portent le voile est la même et avec la même intensité, que pour l'utilisation de la femme comme objet dénudé dans toutes les pubs? Est-ce qu'il y a réellement une égalité dans le traitement qui pourrait se comprendre, ou bien c'est seulement on jette le voile par refus du voile sur votre action?
Oui, non, non, totalement. Enfin, le voile est un point de... D'ailleurs, nous, on essaie de ne plus parler de voile, mais plutôt de foulard, hein, ouais. Puisqu'on a été, embarqué dans cette façon de caractériser D'ailleurs, on a, si vous permettez, Louisa, on n'a pas fait exprès, mais aujourd'hui, dans cette émission, on a Sonia, si vous permettez que je vous appelle ainsi, oui, oui, qui oui. ne porte pas le voile et qui n'est pas musulmane. Non. On a une cœur, musulmane qui porte le voile et on a une arabe musulmane peut-être. Ça ne le dit pas en tout cas. Donc parfaitement en apparence laïque. Donc ça montre une certaine pluralité dans votre association ou votre collectif. Qu'est-ce qu'on peut vous demander de plus, Madame la Présidente Ismahan, pour que vous soyez fréquentable à leurs yeux? Oui, tout à fait fréquentable. Voilà. En fait, ce qui se joue, c'est véritablement deux choses. Il y a d'abord une incapacité à penser une certaine catégorie de femmes, donc à faire issue d'eux, alors issue de la colonisation, issue de l'immigration, à les penser comme sujets autonomes, libres de leur choix, et libre surtout de se déterminer de la manière dont elle le souhaite, et y compris en mobilisant parmi d'autres référentiels un référentiel religieux. Il y a ça. Deuxième chose, il y a aussi une peur qui est traversée par des fantasmes par rapport à cette femme en fait qu'il faudrait libérer malgré elle en fait. C'est ça qui se joue. Et que finalement, j'aurais beau dire je à la première personne du singulier, m'affirmer en tant que sujet, revendiquer ma liberté de choix, sur moi pèsera toujours le soupçon et la suspicion de n'être pas tout à fait libre de ce que je dis. Vous êtes toujours mineur sous tutelle. Absolument. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, je serai la cinquième colonne d'un fascisme vert qui a pour projet ultime, voilà, d'imposer la charia en France, voilà. Donc il y a de ça qui se joue. Quand on sait que il n'arrive pas, puisque on est en plein aujourd'hui dans le vote pour les articles de la Constitution tunisienne post-révolutionnaire. Et que tout ce qui touche à la religion a été exclu. Alors de là à imposer la charia en France, il y a 200 ans de laïcité et de révolution, ça me semble un peu difficile. Et c'est cette jonction que j'utilise pour poser la question à Sonia Dayan. Beaucoup de personnes, quand elles entendent parler de islam et laïcité, parce qu'ils sont pratiquement pas... on ne peut pas les confondre tous les deux. Qu'est-ce qu'on entend par islam et laïcité? Comment peut-on parler d'une religion qui est à l'opposé de la laïcité, puisqu'elle est par définition et par essence spirituelle, religieuse, culturelle, et la laïcité qui, en fait, connaît les religions mais ne le reconnaît pas dans la sphère publique? Il faudrait peut-être mettre les termes à l'envers, hein, les inverser, c'est-à-dire il faudrait peut-être mieux dire laïcité et islam. En fait, dans l'esprit de cette association, il s'agissait d'abord de mieux faire connaître les musulmans de France la religion qu'ils pratiquaient, donc de les mieux les faire connaître, et puis surtout d'affirmer sans cesse que une conception de laïcité, comme je l'ai dit tout à l'heure, fidèle à la conception fondatrice de la laïcité originelle, était parfaitement compatible avec l'islam de France, c'est-à-dire avec l'accueil des musulmans en France comme citoyens français pour exercer leur religion comme ils l'entendent. Hein. Donc je pense que c'est ça notre objectif. Ce ne serait pas même une garantie, cette laïcité, pour la liberté de tous les cultes Mais en France. Si, parce que de toute façon, oui, bien sûr, pour la liberté des autres. Si elle n'est pas annexée. Bien entendu, mais je crois que là les lois sont quand même bien faites et que mais s'agissant de l'islam, on est toujours, surtout concernant les femmes, au bord des lois d'exception. Hein. Nous considérons que la loi de 2004 est une loi d'exception, hein. La loi qui exclut les petites filles portant un foulard de l'école ou des établissements scolaires, et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons demander son abrogation. Hein.
nous redemander son abrogation. Nous considérons que c'est une loi d'exception. Il y a d'autres lois d'exception dont les femmes portant foulard sont menacées. Hein. Il y a déjà eu, bon, il y a la circulaire Châtel, il y a eu l'affaire Babylou avec ce qui est les menaces d'inventer de nouvelles lois sur l'interdiction ou la réglementation du port du foulard en entreprise, etc. Mais en dehors même de ces lois, on sait très bien que les femmes qui portent un foulard ne sont pas accueillies, par exemple, sur les lieux du travail ou dans les universités, comme les autres. Quelle est la finalité réelle politique de cet acharnement sur ce symbole religieux? Parce que c'est pas un sujet, quand on regarde de près, qui nécessite une décennie de débats, de lois, de tiraillements, et surtout qui se termine par des drames, comme ce qu'on a vu où il y a des musulmanes qui ont été battues, une femme enceinte, du côté de Gennevilliers, je crois, et dans d'autres endroits en France. Ça, ce sont les cas qu'on connaît, et d'autres cas qui n'ont pas été médiatisés. La vraie finalité, pour vous, observatrice de ce qui se passe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Alors, une des finalités, parce qu'il y a plusieurs finalités et on peut tenter plusieurs hypothèses, mais qui se vérifient en fait sur le terrain. Ce qui se passe, c'est que depuis 10 ans, ce qui est à l'œuvre, la déshumanisation de ces femmes, a fait que on perçoit d'abord le symbole ou l'accessoire ou le vêtement avant de percevoir des femmes, des êtres humains en tant que tels. Et ce qui permet aussi le passage à l'acte, parce qu'il y a eu une espèce de continuum qui est allé crescendo par rapport non seulement à la déshumanisation, mais par rapport à la construction de ces femmes comme une menace. Alors une menace aux valeurs de la République, une menace à nos valeurs françaises, et tout un cortège comme ça de choses qui ont été construites, alors qui ont articulé des peurs, une méconnaissance, qui ont articulé aussi un racisme profond, une islamophobie, disons les choses. Et qui a permis, et alors des discours d'hommes politiques qui sont dans notre gouvernement et qui ont permis ce passage à l'acte. Quand on entend quand même un de nos gouvernants dire clairement que le combat essentiel de la République, c'est l'éradication de ce symbole, en l'occurrence le foulard, moi je ne m'étonne pas que des personnes, alors fascistes, racistes ou par ailleurs, pas forcément, qui sont des personnes bien sous tout rapport, se sont investis de la mission d'éradiquer ce fameux symbole qui est finalement la menace à nos valeurs, à nos principes républicains. Donc voilà, les finalités, c'est aussi des manœuvres de division massive. On divise les individus, les citoyens de ce pays. Contrairement au discours qui parle d'union nationale, d'identité nationale et même ce fameux débat sur l'identité nationale et les dégâts qu'il a causés. L'identité nationale ne se décrète pas, il se vit, s'expérimente dans le quotidien entre individus, entre citoyens. Est-ce qu'elle mue, cette identité? Est-ce qu'elle est figée ou est-ce qu'elle peut... Mais encore heureux qu'elle mue. L'identité, oui. En tout cas, moi j'adhère plutôt au paradigme de l'identité qui s'inscrit dans un processus. Il y a un autre paradigme qui fait de l'identité une construction essentialisée et figée. Donc évidemment, tout ce qui va venir percuter cette identité fantasmée, essentialisée, va être perçu comme une menace et va mobiliser des peurs. Par contre, l'identité, moi, que je revendique, c'est une identité multidimensionnelle. Ce qui fait que moi, je peux dire aujourd'hui, je suis Sman, oui, je suis de confession musulmane, de culture provençale, je suis une femme, je suis une mère, je suis une formatrice, et je mobilise en fait ces multiples identités à l'aune justement des espaces et des individus que je côtoie. Et c'est tant mieux, parce que ça, notre individu, en tout cas notre identité, elle s'enrichit des contacts. J'ai une question à vous toutes trois. Est-ce que, en vérité, même si la situation par moment est dramatique, est-ce que ce n'est pas tout simplement un autre épisode de l'histoire de France, comme celui qui a été vécu par d'autres vagues d'immigration, des Italiens, des Polonais, des Espagnols? Donc on parlait des Rital, on parlait des Espingouins, on parlait des Polacs, des Juifs. Est-ce que ce n'est pas à chaque fois un soubresaut terrible que vit la société française, chaque fois qu'elle a une nouvelle greffe, et que par la suite les choses se tassent, comme on le voit aujourd'hui, les Italiens sont parfaitement intégrés, on ne parle plus de leur origine, ni des Espagnols, ni des Portugais. Est-ce que ce n'est pas une phase comme celle-ci que nous sommes en train de vivre pour les Arabes et les musulmans ?
Oui, bien sûr, mais simplement, on ne peut pas simplifier autant. Parce que quand on parle de la vague d'immigration italienne-polonaise, allez, on va dire que ça s'est réglé, la question s'est réglée, même si à l'époque, ça a été vraiment très violent et peut-être plus virulent. Mais c'est la durée qui diffère. C'est-à-dire que la question des Italiens, des Polonais, des Espagnols, on va dire, et ça ce sont les démographes ou autres qui le mettent en avant, c'est réglé en l'espace d'une génération. Mais je rappelle quand même qu'ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient chrétiens comme le reste de la société. J'allais en venir à ça. Le cœur du problème, c'est comment en fait des citoyens tout à fait français, et pas français à part, se disent d'ici, revendiquent une identité assumée française, mais sont invariablement renvoyés à une religion qui a été construite comme étant l'altérité absolue. Je vois que Sonia et Louisa ne sont pas tout à fait d'accord, même si peut-être elles sont d'accord sur une partie de votre réponse. Mmh. Vous êtes sociologue, vous avez étudié certainement ces questions. Comment quel regard vous portez ? Je dirais, enfin, comme Isman, que c'est extrêmement complexe. Moi, je vois une autre dimension, qui est la dimension républicaine, qui est très propre à la France. C'est-à-dire que la République française s'est construite sur une homogénéisation. On a homogénéisé les monnaies, on a supprimé toutes les douanes intérieures, l'assimilation totale. L'assimilation et l'homogénéisation. Et quand la France a colonisé, elle a colonisé avec l'idée de cette mission civilisatrice où finalement il fallait se civiliser pour devenir semblable. C'est l'idée de la similitude, d'être exactement semblable à l'identique. Oui. Et là, il y a une résistance. Il y a une résistance de la part des musulmans. Ce ne sont pas quelques individus. Enfin, l'islam est devenu la deuxième religion de France. Et la France, c'est la fille aînée de l'Église. La France a un inconscient catholique, très très profond. Et là, il y a quelque chose qui, pour le moment, est comme une arête en travers de la gorge qui passe très difficilement. Donc moi, j'espère aussi qu'il y aura des mutations, mais ces mutations sont, à mon sens, beaucoup plus fondamentales que les mutations que devait connaître la France pour assimiler les Polonais, les Italiens, etc. Mais est-ce qu'à cette complexité, disons, interreligieuse, il n'y a pas une autre, parce que les musulmans sont un et plusieurs à la fois. Oui, les musulmans en France ne sont pas tous d'un seul pays. Ils sont maghrébins, ils sont noirs africains, ils sont pakistanais asiatiques, ils sont de toutes origines, donc de cultures totalement différentes et même pratiquement opposées dans certaines origines. Est-ce que ça ne rajoute pas une autre complexité à la complexité? Oui, mais là, je pense que ça, c'est vraiment une question de génération. Parce qu'on l'a vu, par exemple, le fait maghrébin, il y avait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, de la même façon pour l'Afrique. L'Afrique, qu'est-ce que c'est? Enfin, je veux dire, d'abord, les pays eux-mêmes ont été construits par la colonisation, qui étaient les frontières, enfin, en tout cas, les empires ou les royaumes ou les africains n'étaient pas du tout ceux qui répondent à la colonisation. Alors, l'idée même d'être africain, c'est quand même quelque chose de relativement récent, maghrébin aussi, finalement on en vient à ce concept de musulman qui, je pense, d'ici une ou deux générations, va rassembler des enfants dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents venaient de lieux très différents. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose. Ce qui me semble... Ce qui les unit aujourd'hui, si vous permettez, je vous coupe la parole, parce que la première partie touche à sa fin. Oui. Je voudrais demander à Louisa, est-ce que... un des éléments fédérateurs de ces musulmans ne sera pas justement la naissance sur le sol français, qui sera le seul référent d'appartenance à ce groupe, au lieu du pays d'origine qui est celui des parents. Cette référence de lieu lieu de naissance a été mise à mal, puisque droit du sol, droit du sang. Il y a quelques années, le débat a été posé. Au-delà de la volonté des politiques de le mettre à mal, si vous permettez, ma question, c'est pas ça. C'est est-ce que le fait, parce que c'est un fait incontestable, ils sont nés sur le même sol, ils vont dans les mêmes écoles, ils suivent le même programme, ils ont la même formation. Est-ce que cela n'est pas justement l'élément qui va les aider à devenir réellement une identité globale et une? On l'espère. C'est effectivement là-dessus que l'on peut compter à condition, puisque première, deuxième, cinquième génération, on fêtait il y a quelques semaines les 30 ans de la marche contre le racisme, pour l'égalité contre le racisme, c'était il y a 30 ans.
première, deuxième, troisième génération. Oui, on est des générations. Moi, je suis née en France. Alors, on ajoute en plus la complexité, puisque étant d'origine algérienne, la réintégration, enfin, tous les soubresauts qui ont été autour de cette appartenance en termes de nationalité. Donc, on en est à 3-4 générations. En tout cas, pour l'instant, on assiste plutôt à une exacerbation, puisque tous les difficultés liées à cette islamophobie qui va on plutôt va... croissante, plutôt si, croissante. Si vous voulez bien, on va en parler dans la deuxième partie à venir de cette émission. On va parler de l'islamophobie, du sentiment de mal-être et de mal-vivre dans ce pays pour les Français musulmans. On va parler également de ce qui divise la société française, plusieurs sujets dans la deuxième partie. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.